chasse militaire, on est sur la société de chasse militaire du camp du Val d'Aon. On a 2600 hectares de territoire sur lequel on chasse le grand gibier que le dimanche. Le reste de la semaine, il y a des tirs, donc au niveau sécurité, nous ne pouvons pas venir. Mais notre façon de chasser ne changerait rien parce qu'on ne chasse qu'une fois la semaine le sanglier sur ce territoire. Au niveau de l'organisation, on est organisé avec un directeur de battue, deux adjoints, des chefs de ligne, quatre chefs de ligne, quatre adjoints aux chefs de ligne, un directeur de traque et deux adjoints à la traque. L'objectif est de briefer, le directeur de battue brief les chefs de ligne le matin avant la battue, afin de donner les consignes de l'organisation de la zone qu'on va chasser, et donner les consignes de sécurité et comment on souhaite que la chasse se déroule. Cette présentation est faite par la suite à l'ensemble des chasseurs qui sont présents et aux invités qui sont là. Donc la battue est présentée à l'ensemble des participants à la battue. Voilà. C'est clair pour cette battue? Je passe aux consignes de sécurité. Pour la mise en place à votre poste, vous serez toujours accompagné par le chef de ligne ou son adjoint. Vous tiendrez ventre au bois votre accompagnateur éventuel à proximité immédiate. Vous devrez vous assurer de la position de vos voisins. Le tir est interdit sous un angle inférieur à 30 degrés par rapport à la ligne formée par les tireurs. Donc c'est les fameux 5 pas, 3 pas. On rappelle à chaque battue, même si la majorité de nos chasseurs sont là tous les dimanches, les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité qui sont pour les postés, mais également pour les traqueurs. Ça c'est très important et on y tient à ce niveau-là. Parce que le principal c'est qu'une battue se déroule dans les meilleures conditions et dans un maximum de sécurité. Chaque chasseur est équipé d'un angulateur pour bien matérialiser l'angle de sécurité de 30 degrés. Et ces angulateurs sont remis également à nos invités postés. Donc les quatre postées avec Michel, elle reste avec moi, donc on va prendre le long de la route. Michel, en route. T'as vu la ligne, elle est à droite. Ouais. Tu fais attention, pas de tir dans la traque à droite. Ouais. Okay. Tu te mets ici, tu tires devant, à gauche, on problème c'est fichant aussi après le traqueur. Tu tires derrière à 30 degrés. La bosquée elle est battue, donc on est battue de fin de saison, donc on a des sangliers qui savent que quand on arrive dans les zones boisées, ben c'est pour les tirer et les chasser. Donc on se met en place avec les portières qui claquent, avec les gens qui parlent, les chasseurs qui se mettent en place. Ben ils fuient les zones où l'on chasse et ils essayent de partir avant que nous puissions les tirer. Donc on se met en place en toute discrétion. Et une fois que tout le périmètre est fermé, là on lance la battue. Ouais, alors en fait, sur le camp, ici, on chasse avec soit deux ou trois équipes en fonction des secteurs qu'on fait, en fonction du nombre de trackers qu'on a disponibles. Donc le responsable de chaque équipe doit mettre en place la battue, l'alignement, tenir l'alignement comme il faut, écouter la traque, écouter les chasses, et puis veiller au bon déroulement, faire en sorte que les gens restent bien alignés pour la sécurité, parce que on a le droit de tirer les jeunes animaux dans la traque, simplement il faut les tirer dans de bonnes conditions, en toute sécurité, donc c'est important pour ça de bien veiller à ce que chacun soit à sa place en ligne, à ce que personne ne dévie de sa ligne de conduite. Et puis surtout que chacun puisse savoir où on en est au niveau du déroulement de la battue, au niveau de l'avancement de la battue. Voilà en gros à quoi sert le rôle de chef de traque. Ce qui est important, c'est de bien connaître le secteur pour pouvoir faire ça aussi, quoi. Le chef de ligne a le rôle de répartir les postés sur les lignes de battue. Il faut vraiment que je lui donne toutes les consignes de sécurité avec les particularités du terrain, s'il a le droit de tirer en traque ou pas, et puis aussi ses angles de tir, donc au 30 degrés, où il a le droit de tirer et surtout pas de tirer. Et le deuxième rôle du chef de ligne, c'est la sécurité, mais aussi l'efficacité, c'est de mettre les chasseurs où le gibier est susceptible de passer, parce que quand on fait une battue, on veut du résultat.
Et donc il faut que si le gibier est élevé, bah, qu'on puisse le tirer dans de bonnes conditions sur les lignes de battue. Alors l'angle de sécurité, donc c'est l'angle de 30 degrés. Hein. Donc pour le déterminer, on prend la ligne des fusils et on avance de 5 pas, donc 5 mètres. Et perpendiculairement, on fait 3 mètres. Et l'axe qui est créé bah, forme l'angle des 30 degrés, donc c'est un triangle où tous les tirs sont interdits. Et si on le respecte, on se préserve des ricochets ou de ce qui pourrait arriver ou d'un tir qui pourrait venir sur la ligne. Donc l'axe est ici. Le 30 degrés, c'est là où on ne peut pas tirer. Et à partir du petit angulateur, donc le petit sanglier percé fluo, je peux tirer. Donc c'est un repère dans l'action de chasse quand la bête arrive. On ne se pose pas de questions. On voit le repère fluo et de là on peut tirer. Ce qui est plutôt très pratique. Devant nous, on peut apercevoir un rond d'épines là. C'est typiquement le biotope qu'on peut rencontrer sur le camp du Val d'Aron. Donc des grandes herbes sèches, des carrés d'épines, des ronciers d'épines. Donc les sangliers là-dedans, ils se sentent en sécurité, ils se sentent vraiment chez eux. Donc du coup, on a vraiment du mal à les déloger. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une chasse qui démarre. Ouais, donc là il y a une chasse qui démarre, on va quand même écouter ce qui se passe. Tout de suite avoir les sangliers, les chevreuils, et puis pendant toute la battue les sangliers ont tourné, et puis on a entendu les coups de fusil, ça a tiré un petit peu sur toutes les lignes, hein. Et à la fin les traqueurs sur l'autre partie de traque ont levé des sangliers, donc là on a entendu des coups de feu à l'opposé de la traque, et ça a tiré quand même pas mal de fois, je pense qu'il y a un bon résultat, et là tout de suite la battue sonnait, et une compagnie qui arrive à nos postes là, donc ils ont entendu qu'on s'en aille pour passer, et c'est la chasse. Alors moi je tire un chevreuil, qui est un chevrillard, et puis après donc on laisse passer une laie, hein, qu'on identifie laie, une compagnie, enfin 3-4 sangliers, ils passent dans de mauvaises conditions, bon je peux pas tirer, et puis juste après cette laie, il sort un petit mâle qu'on identifie là, et j'ai l'occasion de tirer et de prélever ce petit mâle. Voilà, donc une belle matinée. Donc pour la battue de ce matin, donc pour cette zone la Chevanne, on s'attendait à trouver des sangliers puisque la dernière fois qu'on l'avait fait, les animaux étaient quand même présents en nombre assez important. Et on avait raison parce qu'on a tué donc 17 sangliers et 10 chevreuils. Il y a 5 chevrettes et 5 chevriards, donc c'est plutôt correct, hein, ça correspond bien aux consignes. Et pour les 17 sangliers, donc on a 11 sangliers qui font moins de 50 kg, qu'on va considérer des animaux jeunes. Et puis 6 animaux au-dessus de 50 kg, dont 5 mâles. Donc peu d'erreurs de tir, c'est un beau tableau, tant en termes quantitatifs que qualitatifs.